still see everywhere in the main world. Freedom is coming soon. Do you know? Que sale o nome de Jesus. E foi aclamado por fogo que sale o nome do Senhor. Pai, me rindo da aclamação. Eu dirá son frère contigo. Shalom. Que Deus te bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Car nous sommes là pour le célébrer, pour le glorifier. Il faut dire à ton frère, Dieu te bénisse mon frère. Et qu'il entende, Dieu te bénisse ma soeur. Alors nous te voilà pour glorifier le roi des rois, le Dieu vivant. Alléluia. Nous voulons plus de lui. Et nous voulons écouter que lui. Nous ne voulons que voir que lui. Alléluia. Je ne l'entends pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce pas acclamer le nom de Jésus? Tout en cherchant le bien, la bonne parole.
ensemble. Nous voulons plus de lui tout au long de ces 4 jours. Alléluia. Parce que nous sommes au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous-mêmes, c'est pour l'éternité.
Jésus-Christ. Nous avons le puissant conquérant et nous sommes plus que victorieux. Nous sommes au Seigneur dans la sombre vallée.
La trompette résonne debout, voyons soldat. Merci, acclamons encore le nom du Seigneur, s'il vous plaît. Yeah. Sans transition, nous recevons le pasteur. Acclamons le nom du Seigneur. C'est David qui l'a dit. Oh, qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable. Pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Et nous sommes heureux en ce jeudi après-midi d'entamer cette grande convention. Et nos invités arrivent petit à petit. N'est-il pas merveilleux? Sous les grandes ailes du Tout-Puissant, notre Seigneur. Alléluia. Nous voulons lui dire merci. Merci tous ensemble pour déjà tout ce qu'il a prêté pour nous. Alléluia. Et tous ceux dont les pas ont été conduits. Alléluia. Par sa main rassurante, sa grande fidélité. Alléluia. A toujours accordé à son peuple de vivre chaque promesse de ce grand message. Nous allons lui dire merci pour nos pasteurs qui sont là. Nous allons lui dire merci pour nos anciens. Nous allons dire merci pour nos assemblées. Il nous a gardés des années durant, des mois durant. Et il nous rassemble dans cette grande convention à partager ce moment fraternel en sa présence. Et voulez-vous élever la voix et lui dire merci avec action de grâce? Prions le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
Avant de chanter cette chanson de bienvenue Shalom à l'épouse bien-aimée du Seigneur, écoutez ce que dit le prophète dans discernement de l'esprit en 1960, paragraphe 35. Travaillez pour une grande cause, pour la gloire de Dieu. Travaillez ensemble pour le perfectionnement du corps, pour nous réunir comme un seul peuple, comme un peuple de Dieu. Alléluia. Il dit, nous travaillons pour la même chose. Nous envoyons toutes nos œuvres dans le royaume ici-bas. Il travaille pour la même chose pour moi. Alléluia. Il apprête, vous voyez, cette demeure de l'épouse, la Nouvelle Jérusalem. Il le fait aussi là-haut. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Voulez-vous unir vos cœurs ensemble comme un seul peuple? Amen. Amen. Ah, j'anticipe un peu, mais chantons Shalom à l'épouse au cœur de l'épouse bien-aimée. Voulez-vous battre des mains? Voilà. Et chantez cela à la gloire de Dieu. Amen. C'est notre chanson de bienvenue au peuple dans le royaume des cieux. Alléluia. On y va. Alléluia. Voici l'année du jubilé. Oh yes. Voici l'année du jubilé. Dans les bois de marche les aveugles voient le Seigneur. Quand vivent les captifs, voici l'année du jubilé. Voici l'année du jubilé. Yeah.
jour sera là, il y a sera là. Si tu ne veux pas te prier, il y a. Les présentations passées et puis nous continuerons plus loin. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons donc passer à la parole. Alléluia. Voulez-vous incliner vos cœurs et lui dire merci. Merci parce qu'il a fait de grandes choses. Nous avons bien sûr notre pasteur Bénédicte Niamke, pour ceux qui étaient là avant-hier, avez-vous apprécié. Il va vous dire juste un mot. Je vais essayer de traduire en français. Shalom, church. God bless you all. Dieu vous bénisse. I'm so grateful that we are here to dine with the Lord. Je suis heureux d'être avec vous. Ah, pasteur Baoya Samuel. Donc, je n'ai même plus besoin de vous présenter. Nous laissons la chair à notre révérend, notre pasteur, cher pasteur, venant du Cameroun, de Douala. Il a deux églises, Douala et Yaoundé. Alléluia. Ici, nous apporter cette bonne parole que nous apprécions toujours. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais vous saluer par cette écriture qui est montée dans mon cœur en écoutant votre ferveur. C'est le psaume de David 133 que vous connaissez tous bien.
Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Peut-être quand vous êtes debout pour ne pas avoir à vous asseoir, à vous lever une deuxième fois, nous allons lire. Vous m'entendez bien là-bas au fond? Si vous m'entendez bien, faites comme ça. Oui. Là-bas. Là-bas. Waouh. Merci. Alors, nous allons donc peut-être lire. Trois courts passages, juste pour avoir un cadre. Lévitique, chapitre 25, versets 9 et 10. Ésaïe 61, versets 1. Et deux, et enfin, Romains, chapitre 8, versets 19 et 29. Mais avant, nous allons invoquer une fois de plus la grâce de Dieu. Nous savons qu'il est déjà là. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu réside dans la louange d'Israël. Nous croyons donc qu'il est déjà parmi nous. Néanmoins, il est toujours bon de lui montrer que toutes les articulations, c'est lui seul qui peut les diriger. Alléluia. Que ce soit la louange, la prédication, la prière, la délivrance et tout. Tout est entre ses mains. Dieu bien-aimé, Dieu de grâce. Je te loue et te bénis pour la grâce et le privilège que tu m'accordes d'être avec tes saints de ce parti de notre continent en ce jour. Dieu de grâce, tu nous as promis que là où deux ou trois seraient rassemblés en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Et tu nous viens encore de nous confirmer, ce sera par le psaume 133, que c'est là où tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Tu as dit, rassemblez-moi mes fils avec lesquels j'ai fait alliance par le sacrifice. Alléluia. Et c'est ce que ton serviteur, mon bien-aimé frère, Pierre Esso, a fait aujourd'hui pour les jours qui viennent. Père Céleste, nous t'avons prié, nous t'avons supplié pour ces jours, ces moments, afin que ce ne soit pas simplement des moments de rassemblement, de communion fraternelle, mais des moments de visitation du Seigneur. Oh Dieu de grâce, viens descendre dans ta miséricorde maintenant. Pardonne tous les péchés des cœurs repentants et accorde que le glorieux Saint-Esprit trouve son cœur, son chemin dans le cœur de chaque frère, dans le cœur de chaque sœur, afin que Père éternel, ceux qui sont venus étant bien chaussés, qu'ils aient à un moment donné soient saisis par le Saint-Esprit pour enlever leurs chaussures en réalisant que ce lieu est une terre sainte. Ô Père Céleste, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Moi, le premier, Seigneur, que l'homme Bahouya soit mis hors du chemin. Et puisse, dans ta miséricorde, purifier et sanctifier le vase et parler au travers de lui. Tu sais combien il est difficile, Seigneur, de parler en de telles circonstances. Je m'en remets à ta grâce, Seigneur, car sans toi, je ne peux rien faire. Puisses-tu, Seigneur, bénir la lecture de la parole, bénir celui qui va lire, bénir ceux qui vont écouter, afin que ton nom soit sur le prédicateur et sur l'auditeur aussi, Seigneur. Reste avec nos pères. À toi seul, Père éternel, soit la louange, la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Par le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. Bien-aimé, je vais donc lire Lévitique chapitre 25, verset 9 et 10.
Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Et dans Ésaïe chapitre 61, le prophète dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Enfin, dans Romains chapitre 8, verset 19 et verset 29, verset 19 et 20. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Asseyons-nous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais m'acquitter d'un devoir de vous transmettre les salutations des bien-aimés frères et sœurs du Cameroun. Je voudrais également réellement remercier le pasteur, mon bien-aimé frère Pierre Essouyao, qui a bien voulu m'inviter à cette grande fête, à cette grande fête de la parole. Et c'est pour moi une grâce, un honneur et un privilège que d'être ici ce soir. Je n'étais pas programmé à prêcher ce soir. Et je voudrais aussi, avant de continuer, dire combien j'étais très heureux de voir pour la première fois en chair et en os Papa Ésaïe hier. Je suis venu au Seigneur, j'avais 14 ans, en 68, quand le Dieu m'a visité. Et en 71, j'ai commencé à lire les brochures, 72, 73, et je voyais une photo du frère Franck, frère Barillier, frère Baranowski, et un autre frère africain. On m'a dit qu'il s'est fait de Côte d'Ivoire. J'étais encore un adolescent. Alors je ne savais pas que je pourrais un jour avoir le privilège de voir cet homme. Mais les voies du Seigneur sont insondables. Lorsque le frère, le révérend docteur Josué Anoma Stéphane est venu au Cameroun affecté par Médecins Sans Frontières, finalement le Seigneur l'a conduit à persévérer avec nous à l'Assemblée, et il m'a mis en contact avec son pasteur. Et c'est quand donc j'ai été invité ici, je suis venu ici il y a 2 ans, que j'ai donc su que cet homme dont j'ai toujours rêvé voir était son propre père. Et vous pouvez comprendre quelle était ma joie et combien est grande ma fierté
n'est-ce pas, d'être béni par un homme qui a rencontré physiquement la colonne de feu. Je pense que un peu de cette onction peut aussi être sur moi. Vous savez, nous croyons à la loi du toucher. Je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais c'est toujours bien de toucher les gens qui sont loin. Si les sorciers, les marabouts peuvent envoûter vos enfants juste en touchant votre ventre, vous les femmes enceintes, à plus forte raison, les saints de Dieu qui ont le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Frère nous enseigne que la transmission du baptême du Saint-Esprit de la manière apostolique passe par l'imposition de la main. N'est-ce pas vrai? Donc, quand vous touchez un saint de Dieu, sachez ce que vous faites. Amen. Donc, c'est cela, frère. J'ai été béni par cette grâce que Dieu m'accorde d'être avec vous ce soir. Je ne suis pas digne vraiment et je suis même un peu embêté. Parce que le pasteur m'avait dit, quittant le Cameroun, que je viens, mais quand je viens mercredi, je me repose jeudi. Et vendredi, je vais intervenir. Donc dans ma tête, je savais que c'est un jour de repos aujourd'hui. Et que c'est demain que je vais commencer à chercher comment je vais en sortir. Malheureusement, il m'a dit hier avant de dormir, comme tu vois, le pasteur qui devait venir n'est pas encore là. Et le chemin qui est long, donc c'est toi qui commences. Vous comprenez que quand on vous dit des choses pareilles, le sommeil vous quitte. La paix vous quitte. L'appétit vous quitte. Donc, mon petit sermon que j'avais préparé, sachant que d'autres vont commencer, je vais souvent venir entrer un peu. Maintenant, je suis obligé d'échanger tout et tout. Donc, on va méditer ensemble. Parce que je crois que, comme vous êtes des fils et des filles de Dieu, vous avez certainement dû inviter vos amis. Vous avez dû inviter vos parents. Vous avez dû inviter X et Y. Et alors, ils ne vont pas comprendre c'est quoi le jubilé, c'est quoi le jubilé. Donc, si j'entre tout brutalement dans notre jubilé, peut-être que les gens ne comprendront pas pourquoi on le fait. C'est pour ça que j'ai pensé, comme c'est un sermon introductif, juste parler du jubilé, du principe jubilaire, du principe de jubilé, afin que l'on comprenne ce que c'est que le jubilé. Amen. Et comme ça, les hommes de Dieu qui vont venir après moi vont donc entrer dans le vif du sujet. J'ai également dit ça au pasteur. Il sait que moi, quand je dois prêcher, et je vous le savez, pour ceux qui m'ont connu ici, il me faut au moins 2 heures pour me chauffer. 3 heures pour prêcher et 1h30 pour conclure. Alors, quand on me donne 1h30, je ne sais pas ce que je fais avec 1h30. La preuve, j'ai déjà bouffé 10 minutes. Amen. Le principe jubilaire, waouh. Non, ce n'est pas le pasteur Baoya, c'est le pasteur Baoya Samuel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frère. J'étais sur vous fantastique. Il y a même un chant qu'on a composé au Cameroun. Vous le chantez mieux ici qu'au Cameroun. Mais il y a un chant que les Blancs ont chanté, qui est toujours mon chant favori. Vous allez quand même le chanter, peut-être que ça va me donner un peu l'onction. On va le chanter encore. Je ne viens pas ici.
cherchant le bien. Tout en cherchant le bien. Amen. C'est vraiment pour moi le chant du jubilé. Parce que le prophète nous dit que notre héritage originel, c'est le Saint-Esprit. Et soupirer après cela, c'est vraiment retourner, vouloir retourner à sa propriété originelle. Et je suis très heureux. Je veux d'abord demander, saluer tous les ministres de Dieu qui sont devant moi. Je ne les connais pas. Que le Seigneur vous connaît, que Dieu vous bénisse.
Et vous savez, dans les matchs de football, quand la Côte d'Ivoire jouait dernièrement, eh bien, quand on arrivait au tir au but, tous les joueurs, les 5 qui ont été sélectionnés étaient de côté. Mais tous les 11 joueurs et les réservistes, tout le monde croisait le doigt pour que le pénalty soit marqué. Donc je compte sur vos prières. Amen. Bon, alors sincèrement, frère, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction que d'être ensemble en ce moment dans la maison du Seigneur. Je prends beaucoup de temps peut-être, mais parce que je n'ai pas grand chose à dire. Et nous sommes ici, comme je le disais, j'ai été émerveillé par le témoignage de Papa Esaïe, un homme à qui Dieu a rencontré physiquement. Et je commentais sur ça avec le pasteur lui-même. Lorsqu'il a appelé, dans son témoignage, il a appelé sa famille de venir voir la colonne de feu aurait pu disparaître. Mais elle a voulu que Papa Pierre et Soyao aussi la voient. Donc il est aussi sous la même onction. Et s'il est sous cette onction, vous êtes sous cette onction. Je ne dis pas cela pour le flatter, c'est ce que le message nous enseigne. Quand William Branham voulait réveiller son frère et son fils pour voir la colonne de feu, pour voir l'ange, l'ange lui a dit non, ne réveille pas ton frère, réveille ton fils. Amen. Parce que c'est, il continue ton ministère, il continue ton travail, il faut qu'il soit sous la même onction. Et c'est bien ce que le frère Pierre est, et c'est ce que vous êtes vous aussi, et ainsi que tous les ministres qui sont dans son ministère. Bien-aimés frères, je disais que je ne peux pas parler long, parce que nous aurons des grands hommes de Dieu qui vont parler et des enseignements que nous aurons. Je voulais simplement dire une chose que vous connaissez tous, car la Bible dit que je ne cesse de vous révéler, rappeler les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Donc je n'ai rien de nouveau à dire que vous ne sachiez. Mais dernièrement, vous avez autorisé votre pasteur à venir honorer un autre dédicace que nous avions à Douala. D'abord, je dois vous dire qu'elle a été pour nous une grande bénédiction. Et après le départ, on est resté écouter le sermon. À même le sermon d'ailleurs de tous ceux qui ont intervenu. Mais lorsqu'on a dit que c'est la fin de la dédicace ou de la récréation qui a duré plusieurs jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas resté au Cameroun. Il ne m'a pas demandé, frère Baoya, je vais aller où? Tu ne connais pas quelqu'un au Togo ou bien au Gabon ou bien en Centrafrique? Tu vas m'aider à avoir un visa pour aller en France? Non. Il avait le chez lui. Et dès que la dédicace est finie et qu'on a dit Amen, il est reparti réserver son vol pour retourner chez lui dans sa propriété originelle. Donc, il ne s'est pas embrouillé. Il sait d'où il est venu. Il avait un travail à faire, une forme d'esclavage, une forme de servitude, parce que son frère lui a dit, pardon, viens et apporte de la parole ici. Bon, c'était hors de son programme originellement. Mais il a été pris dans ce programme. Mais quand c'est fini, il a repris son avion et il est rentré chez lui. Tous ceux qui travaillent, ils le savent. Ceux qui vont à l'école le savent. On va en classe. Dès qu'on fait le cours toute la journée, mais dès qu'il a sonné, ou c'est le surveillant général qui a sonné, eh bien, tous les élèves, chacun est content, chacun prend son sac et chacun rentre chez lui. Si tu n'avais pas de chez toi, ça va se savoir. Tu vas errer. Et toi, Jérôme, tu ne rentres pas. Je ne sais pas où aller. Ah. Tu viens d'où? Je ne sais pas. Vous voyez? Mais ceux qui ont le chez eux, ils savent qu'ils doivent retourner d'où ils sont venus. C'est pareil pour les travailleurs. C'est pareil pour les travailleurs. Quand, je ne sais pas quel est le travail fini ici en Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'est 15h30 pour les fonctionnaires, 16h pour les autres sociétés, parce qu'on travaille de façon continue. Mais dès que l'heure arrive,
Eh bien, avant même que l'heure arrive, certains commencent déjà à arranger leurs affaires. Dès qu'on dit « allez », ils s'en vont déjà. Et même souvent, quand on est même à l'étranger, comme je suis maintenant ici, dès qu'on est ici, et je suis content de venir ici communier avec les frères. Mais je vous assure, même comme j'ai réservé pour mercredi prochain, mais dès mardi matin, mon cœur ne tient plus en place. Ah oui, mon cœur ne tient plus en place. Pourquoi? Je veux rentrer chez moi. Je me souviens quand j'ai été étudiant en Europe, je pensais tellement à mon pays que quand je devais soutenir mon travail et que le jury m'a donné le jour de la soutenance, on m'a dit c'était le 9 novembre 79. Dès que j'ai eu la date, je suis allé acheter mon billet d'avion à la Camère. J'ai réservé pour le 9 au soir. Je ne voulais pas rester un jour de plus là-bas. Parce que j'avais horreur que quand je viens, je pense que je suis un homme normal, mais on me traite pour un nègre. J'avais horreur de... Donc, je voulais absolument rentrer chez moi. Donc, je soutiens mon travail. Et c'était malheureusement un samedi. Dès que je soutiens, je dis au patron, au directeur, ou souverain, comme vous l'appelez, je veux mon diplôme. Il dit, mais monsieur Baoya, c'est samedi, tendez lundi. Non, j'ai réservé pour rentrer ce soir. Vous avez les clés du secrétariat, vous avez tous les cachets dans votre bureau, signez mon diplôme à la main. Je suis le seul, je crois, à la Sorbonne, d'avoir un diplôme signé à la main, rempli à la main, parce que je ne voulais pas rester un jour de plus en France. Et j'ai fait tellement de missions à l'étranger par mon travail, dès que ça veut venir, je vais rentrer. Et je pense que c'est la même chose quand je parle du principe jubilaire. C'est ce désir-là qui nous porte à retourner vers notre maison paternelle, à retourner vers notre héritage, à quitter ces lieux de cette maison de pestiférés. Et il y a tellement de types de jubilés. La Bible nous montre ici que Dieu avait institué le jubilé après 7 jours. Ils avaient un jour de sabbat, et après 7 ans ils avaient un sabbat, et après 7 ans fois 7, ça fait 49 ans, ils avaient un sabbat, et toute l'année qui suivait était une année jubilaire, la 50e année. Alors, à la 50e année, qui était un jour de jubilé, je sais que tous les frères et sœurs connaissent de quoi je parle. Je n'irai pas en détail, ne vous fâchez pas. Je parle juste pour s'il y a des visiteurs dans la salle. Et que Dieu les bénisse. Alors, à la 50e année, le prêtre prenait son cheval et il allait. Et il sonnait le jubilé, il sonnait le jubilé, il sonnait le jubilé. Avec la trompette. Et alors, ce qui était curieux dans le jubilé, le prophète nous l'enseigne dans différents messages. Et je suis certain, je les ai tous devant moi. Mais si je me mets à les lire, je vais tomber à 23h. Alors, lorsque on sonnait ainsi le jubilé, il y avait deux choses. Il y avait deux choses dans le jubilé. Israël était la propriété de Dieu. Et Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les faire entrer dans son héritage à lui Dieu. Mais en réalité, c'est aussi l'héritage que Dieu avait déjà donné à Abraham et à sa postérité après lui. Mais Dieu lui a dit, ta postérité fera 400 ans en Égypte, dans une terre étrangère. Mais moi-même, je descendrai et je jugerai la nation à laquelle il sera servi, et je les ramènerai ici à main forte et à bras étendus. Et ils ont fait effectivement ces 400 ans
en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Et lorsque le temps est arrivé pour que la parole de Dieu s'accomplisse, Dieu est descendu. Et pendant qu'il descendait du ciel, il a tiré un instrument qu'il avait préparé, à savoir Moïse. Et la rencontre de Dieu et de Moïse eut lieu au buisson ardent sur le mont Sinaï. Et Dieu l'a commissionné pour faire ce travail. Bien sûr, Moïse refusa de faire le travail, mais Dieu lui dit, je serai avec toi. D'ailleurs, tu seras Dieu à ma place et Aaron sera ton prophète. Nous connaissons la suite de l'histoire. Et lorsque Moïse obéit à la commission de Dieu et qu'il parle au peuple, il réussit à le convaincre par la parole et par la puissance de Dieu. Dieu a confirmé la vérité. Le peuple dit, dites toujours la vérité. Ne dites jamais des choses pour plaire aux gens. Dites la vérité de manière à ce que Dieu vienne confirmer sa vérité. Dieu ne vous confirmera jamais. Dieu confirme toujours sa parole. Si je me mets ici derrière pour vous dire des choses agréables sans dire la parole, Dieu ne confirmera pas cela. Dieu, je peux dire des choses agréables pour qu'on dise Amen, qu'on applaudisse jusqu'à la fin. Mais je connais dans mon cœur que j'ai refusé de dire la parole que Dieu voulait que je dise, de peur d'achoper quelqu'un, mais plutôt de dire les paroles que moi j'aimais dire pour que ça plaise aux gens. Dieu n'aime pas cela. Et d'ailleurs, avant de continuer, j'aimerais dire à nous les croyants et à nous les prédicateurs qui sommes dans le jubilé, si nous connaissons l'importance du jubilé, nous ne devons pas jouer avec le message que nous devons apporter aux gens pour qu'ils attrapent leur occasion de jubilé. Parce que sinon, Dieu nous redemandera leur sang. Parce que nous avons voulu faire comme toutes les autres dénominations, on cache le message. Et c'est pourquoi j'ai aimé le thème et j'ai aimé le programme que mon frère a fait pour cette dédicace, pour cette convention jubilaire. Alors frère, ils sont donc sortis et Moïse a reçu de Dieu ce que je viens de vous dire sur le principe, sur le jubilé. Mais je disais qu'il y avait deux choses dans le jubilé. Il y avait deux choses dans le jubilé, le lieu pour bénéficier du jubilé et le temps, je veux dire, et la personne qui pouvait bénéficier du jubilé. C'est-à-dire quoi? Il y avait dans les grandes villes, et les grandes villes étaient entourées de murailles. Si ta propriété était dans la muraille, et que tu l'as vendu parce que tu es devenu pauvre, tu avais un an seulement pour la racheter. Après cela, tu ne la rachètes pas là, eh bien, même si le jubilé arrive, même si 10 jubilés arrivent, tu ne peux plus avoir accès à cette propriété. Retenons cela. Peut-être que j'aurai le temps de lire la citation. Les citations là-dessus. Frère dit, ces murs-là, sont les murs dénominationnels que nous avons constitués, à l'intérieur desquels nous avons nos dogmes, nos credos, nos principes. Et lorsque c'est là notre place, quand le jubilé arrive, comment pourras-tu entendre le son de la trompette, puisque le sacrificateur qui est à cheval, il ne passe pas à l'intérieur, il passe dans les plaines et les pays et les campagnes pour sonner le jubilé. Toi qui es à l'intérieur de la ville avec son brouhaha, tu n'entendras pas. Tu demeureras toujours là-dedans, ta propriété demeurera là-dedans, et si toi-même tu étais dedans, tu restes dans ton esclavage à l'intérieur. La deuxième chose que le prophète dit dans le message Le retour et le jubilé, il dit encore une deuxième chose. C'est quoi? C'est que tout dépend de qui tu es pour avoir droit au jubilé. Et c'est ce que je disais dans mon introduction. Si tu étais un fils d'Abraham, né libre d'un fils d'Israël,
et que par les circonstances, par un effet de guerre ou par la pauvreté, tu t'es vendu comme esclave pour payer les dettes que tu avais prises. Ça serait arrivé, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Tu deviens donc maintenant le serviteur de quelqu'un d'autre. Et que la personne t'assujettissait et te faisait faire des besoins que tu n'aimerais pas faire. Parfois même, ce n'était pas toi seul, c'était toi et ta famille. Toi-même, tu es esclave avec ta femme et tes enfants. Ou même parfois, tu viens seul, mais là-bas dedans, on te donnera une femme et tu auras des enfants. Et ces enfants-là, ils naissent déjà étant esclaves. Alors que dans leur sang, ils ne sont pas des esclaves. Ils sont des fils d'Abraham, mais vendus au péché. Vendus à cause du péché adamique. Ils sont là-bas dedans, ils y travaillent. Le jour où, pendant qu'ils sont en train de bêcher, de piocher, de couper, de travailler sous les maîtres de corvée, et que la trompette vienne à sonner au passage, même s'il lui restait 40 ans, 39 ans, ou un an, ou un jour de servitude, il laisse l'appel, il dit à son patron, bye, et il s'en va. Donc, le jubilé, c'est vrai, c'est une commémoration dans le cas d'espèce aujourd'hui, mais une commémoration pour faire quoi? Juste pour être une commémoration. Pensons-nous que nous aurons encore assez de temps pour vivre encore 50 ans pour un autre jubilé? Peut-être les enfants qui sont ici, si le Seigneur tarde à venir. Mais je pense que c'est l'occasion, tel que le Seigneur a inspiré à nos frères, d'organiser ceci. Et je crois que dans tout le monde entier, des frères et sœurs sont en train d'organiser de ce genre de rencontres pour secouer le peuple de Dieu. Amen. Oh frère, pour secouer le peuple de Dieu, afin que celui-ci revienne à son héritage originel. Vous êtes avec moi? Donc, notre premier, parce que j'ai lu trois textes, notre premier état était lequel? Frère Balan nous dit ici dans son message, l'attitude de qui est Dieu prêché le 15 août 1950. Je ne vais pas lire tout. Mais il dit, la brochure n'a pas de paragraphe, donc supportez, c'est la page 6. Puis remarquez, alors, il était ici sur terre et il lui donna une aide et tout, parlant de l'homme. Il était dans une communion bénie avec le Père et il se parlait. Puis, nous allons faire ce deuxième homme. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir, Dieu. Le deuxième homme était un halo. Mais maintenant, il prend un troisième homme et il le fait comme un petit nuage blanc. Il apparaît, nous pouvons le voir, le Saint-Esprit qui descend et qui est un homme tout à fait. C'est cela, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Alors, bien-aimés frères, quand nous lisons le prophète ici, il nous dit que Dieu, c'est une image qu'il a prise, vous comprenez. En tant que premier homme, il est invisible. Nul ne peut le voir. Mais la deuxième manifestation, ou sa manifestation, c'était quoi? C'était le Logos, le Fils, un halo de lumière. Comme il dit ici dans question-réponse, la Genèse, il jouait comme un enfant devant la cour de son père. La troisième manifestation de Dieu,
fut ce petit nuage blanc. Amen. Et il dit que ce petit nuage blanc, il le dira plus tard dans le message, le Messie, est comme ce bouton blanc qui est sur ma chemise. Ok. Mais lorsque ce nuage blanc apparaît, c'est un homme tout fait, dit-il. Mais il descend sur l'homme, il descend dans l'homme, et c'est lui, ce Saint-Esprit, qui devient l'âme de l'homme. C'est ce que je viens de lire, à moins si j'ai mal lu. Et voilà donc notre homme, que nous appelons Adam, qui était littéralement le Fils de Dieu, le seul être humain sans nombril, qui parlait avec Dieu, qui voyait Dieu, qui marchait avec Dieu, qui s'entretenait avec Dieu. Vous avez moi? Voilà ce qu'était Adam. Mais, qu'est-ce qui faisait sa force? C'était la présence, non pas parce qu'il était créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, oui, en effet, il a été créé homme-esprit. Parce que Dieu lui-même est esprit. C'est la même brochure qui nous l'enseigne. Et Dieu, maintenant, fait habiter dans cet homme son propre esprit, lui-même d'ailleurs, sa propre manifestation, il vient habiter dans cet homme-esprit. Et ainsi, l'homme que Dieu crée, il est esprit, et dans en lui, il y a l'esprit de Dieu. C'est pas difficile à comprendre quand on lit l'histoire, quand on lit le dossier des ossements d'Ésaïe, d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau, et je mettrai mon esprit dans votre esprit nouveau. Donc, c'est ça la restauration. C'est un peu le retour à la chose initialement perdue. Donc, c'est ce qu'était l'homme. Et c'est pourquoi l'homme pouvait donner des noms à toutes les créatures que Dieu a faites, alors qu'il n'est pas celui qui a créé cela. Tout simplement parce que le Créateur était en lui. Et c'est lui qui donnait la révélation pour dire, toi tu t'appelles Josué Anoma, tu viens de Soudan, tu es médecin, et ta femme s'appelle telle, et tu as telle maladie, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Pourquoi? Parce que le grand Dieu, ce n'était plus le baptême du Saint-Esprit, mais c'était le véritable, le Saint-Esprit lui-même, qui est venu descendre, habiter en lui, s'installer en lui, comme moi-même je m'installe dans ma veste et dans mon pantalon. Et quand je marche, ce n'est pas mon pantalon et ma chemise qui marche, c'est Dieu dans ce pantalon qui marche. C'est pourquoi Dieu appelle ses serviteurs les costumes de Dieu. C'est eux qui marchent. C'est pourquoi les chrétiens, au premier âge de l'Église, sachant que le grand Dieu qui a habité en Jésus était en Pierre, n'avait même pas besoin d'aller toucher Pierre. Il était trop occupé. Il mettait seulement l'homme malade tout au long. Et quand Pierre passait, il savait que comme Dieu est dans cet homme-là, son ombre suffit. Et cet homme-là guérissait les malades, chassait les démons. Frère Branham dit, ce n'est pas l'ombre qui le faisait, mais c'est la foi que ces gens avaient que Jésus était en Pierre. C'est ça qui doit revenir dans la plénitude. Parce que si Dieu l'a manifesté avec William Marion Branham, et nous en sommes témoins, et il était la gerbe agitée, et nous savons que si les prémices sont saintes, la masse aussi est sainte. C'est la raison pour laquelle le pasteur nous interpelle pendant ces quelques jours, afin que personne ne parte de cette retraite jusqu'à dimanche prochain
sans être sûr qu'il est enfin rempli de Dieu. Qu'il est rempli de Dieu. Qu'il marche avec Dieu. Qu'il parle avec son Dieu. Qu'il est en syntonie avec Dieu. La syntonie avec Dieu, c'est-à-dire quoi la syntonie? Par exemple, voici mon téléphone portable, il est ouvert. Si quelqu'un m'appelle là maintenant et qu'il y a un poste radio là à côté, le poste radio va commencer à faire, n'est-ce pas vrai? Parce que le poste radio et ceci, ils sont en syntonie. C'est les ondes. Le poste sent qu'il y a quelque chose. Et toi-même qui es là, tu sens qu'un appel va arriver. Tu vas vers ton téléphone. Parce que déjà tu as entendu le poste radio faire du bruit. Ça veut dire que le poste radio et mon téléphone sont en syntonie. Et c'est la même chose. Quand le Saint-Esprit descend, l'Esprit de Dieu descend en toi. Tu es en syntonie avec Dieu. Ses pensées sont, deviennent tes pensées. Ses désirs deviennent tes désirs. Et toi aussi, tes pensées, tes désirs deviennent ses désirs. Ah oui, tu es en communion avec lui. Et quand tu es en cette communion avec Dieu, tu marches avec Dieu, tu parles avec Dieu. Parfois même Dieu veut taper quelqu'un et dire non Seigneur, laisse-le, pardon, s'il te plaît, laisse-le, aie pitié. Amen. Comme Moïse l'a fait, tu peux le faire. Parce que tu es en paix avec Dieu, tu es en amitié avec Dieu. Quand Sarah va mentir à Dieu, tu es un menteur. Quand Dieu regardait Abraham, Abraham le regarde, Dieu comprend que c'est mon ami, il ne peut pas toucher la femme là. Amen. Parce que Dieu est en toi. Voilà l'amitié de Dieu. Voilà l'amitié de Dieu. Voilà la vie de Dieu. Voilà ce que l'homme était au commencement. Voilà ce que l'homme, Dieu a toujours voulu que l'homme soit. Par les types qu'il a manifestés tout au long des âges. Avec Moïse, avec Abraham, avec Enoch, avec les prophètes. Et qu'il est venu donc confirmer dans la pleine personne de notre Seigneur et Sauveur. Et le même Dieu qui est descendu sous les chaînes de Mamré dans son corps parole et qui a mangé la viande du veau et a bu le lait qu'on appelle chez nous le kosam. Il a mangé, il a bu, il a mis le pain. Amen. Donc on pourrait confondre tous les autres serviteurs qui servait Abraham, vous dire, mais c'est un visiteur, mais pourquoi papa, le patron va tuer tout un bœuf pour ces trois personnes. Ils vont finir ça pour. Alors qu'il y avait de quoi, il y avait à manger au congélateur. Pourquoi il a tué tout un bœuf pour ces gens-là? Mais Abraham, lui et lui seul, savait de qui il s'agissait. C'est pourquoi quand il s'est avancé, il a dit, mon Seigneur, Elohim. S'il te plaît, ne passe pas loin de la demeure de ton serviteur. Car je sais que c'est pour venir chez moi que tu as voulu passer par ici. Mais comme la profondeur appelle la profondeur, je suis venu te supplier. Ne passe pas, entre. Alléluia. Et chacun de nous peut ouvrir son cœur ce soir et dire, oh grand Elohim, ne passe pas loin de la demeure de son serviteur. Viens entrer dans mon cœur, viens prendre ta place, viens prendre ta place, je vais tuer un bon droit, mon frère de petit, mange avec moi. Alléluia. Alors frère, et c'est là où tu retrouves la restauration, la cette communion avec ton Dieu, comme Abraham, quand Dieu a mangé, quand Dieu a bu. Les gens qui n'aiment pas payer les dîmes et les offrandes, quand vous les offrandes, vous payez les pièces jaunes. Je sais pas si c'est des pièces jaunes en Côte d'Ivoire. Ou bien des plus petits biens pour donner à Dieu. Et si Dieu n'a pas bien mangé, attendez pas la bénédiction. Je ne manque pas, frère. Je ne manque pas. Abraham a bien nourri Dieu, il a vu. Quand Esaü, son père veut le bénir, il dit, donne-moi à manger que je mange bien. Et avant que je te bénisse. Bien sûr, on l'a roulé. Mais l'autre qui est venu aussi, il a fait bien manger. Et c'est là où il a été béni. C'est ça. Comme l'âme dit, si vous voulez recevoir une faveur de Dieu, faites une faveur à Dieu. Il parlait ainsi en parlant de la femme tsunamite.
En fait, mon message de ce soir était sur la femme tsunamite. Après 7 ans de sécheresse. Mais comme je devais introduire, j'ai changé de message pour un peu parler de ce que c'est que le jubilé. Amen. Alors, frère, c'était ici donc que Abraham, n'est-ce pas, je disais, le même Dieu qui est descendu sous les chaînes de Mamré dans ce corps parole, il a pris les éléments par lesquels il a créé votre corps, il les a construits, il est entré dedans, il est descendu. Mais quand il descend, Abraham, vous savez, quand Frère Philippe nous raconte que le fait que Dieu ait permis qu'il soit présent, quand il a vu l'ange, il y a eu une certaine sensation, une réaction que maintenant, même si l'ange descend et qu'il ne le voit pas, la même réaction est là, la même sensation est là, les mêmes vibrations l'atteignent, les mêmes ondulations l'atteignent. C'est un peu pourquoi Frère Philippe disait que je sais qu'il est à 2 pouces de moi en ce moment où je vous parle. Même quand je ne peux pas le voir, mais je sais qu'il est là. Parce que à force de venir, tu sais, tu le reconnais par ses sensations. Tu le reconnais par ses sensations. Et alors, frère, quand il est donc venu ainsi, il a pris 2 autres anges, il est venu, et on l'appelle Elohim. Et il devait qu'il prouve qu'il est l'Elohim. Amen. Et dès qu'il ouvre la bouche, Abraham reconnaît la même voix qui lui parlait dans les airs, qui lui parlait dans les songes. Il reconnaît la même voix. Il ne pourrait pas se tromper. Il ne pourrait pas se tromper. Comme William Branham, quand il a rencontré en 1946 dans la grotte, n'est-ce pas, il voit le monsieur, la peur, n'est pas peur d'être, le monsieur a parlé, il a reconnu la même voix qui lui parlait depuis l'enfance. Amen. Et à ce moment-là, il a donné un signe. Il a dit, où est Sarah ta femme? Elle est dans la tente derrière toi. Il dit, ok, elle va bien manger, ce n'était pas avant le repas. Parce qu'avant le repas, c'est comme si vous suppliez de lui donner à manger. Non, vous lui nourrissez d'abord. Frère Ram dit dans le message, se ranger du côté de Jésus. Quand vous voulez rendre un service à Dieu, il vous laisse d'abord faire tout et finir. Il ne dit rien. Il ne vous aide pas contre les critiqueurs. Il ne dit rien pour vous encourager. Il vous laisse aller au bout de votre conviction. Et c'est quand vous finissez alors qu'il ouvre la bouche. Il parlait ainsi de la femme qui lui lavait les pieds. Les hommes critiquaient, mais lui était resté calme. Et c'est la même chose. Que Dieu a parlé à la fin. Que Dieu a donc parlé à la fin. Et finalement, il dit, où est Sarah ta femme? Oh, elle est dans la tente derrière toi. Je reviendrai vers toi l'an prochain. À cette même époque. Et Sarah ta femme aura un fils. Honnêtement, mettez-vous à la place d'une femme de 89 ans. Si elle avait même accouché dans sa jeunesse, même ses propres enfants et même ses arrière-petites-filles seraient déjà ménopausées. Et c'est à elle qu'on vient dire qu'elle va avoir un enfant à 90 ans. Non. Elle s'est mise à rire. Et Dieu veut dire à son ami, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et Sarah qui se en courant, je n'ai pas ri. Si tu as ri. Y a-t-il quelque chose d'impossible de la part de l'Éternel? Répondez-moi. Y a-t-il quelque chose d'impossible de la part de l'Éternel? Quand Dieu a dit, je reviendrai l'an prochain, à la période de la vie, et Sarah aura un fils, Sarah aura un fils. Et je crois, frères et sœurs, que si Dieu, d'une manière ou d'une autre, a prononcé une moindre parole, merci bien aimé frère, une moindre parole dans sa bouche, quel que soit l'environnement, les conditions, la parole de Dieu s'accomplira certainement. Je dis bien certainement. Oui, monsieur, peu importe, Dieu n'est pas limité. C'est vous qui sommes dans la dimension inférieure. Qui, pour que je voie le ventre du frère, il faut que je prenne un bistouri, je fonde pour voir le ventre. Mais si je suis dans la dimension de Dieu, je n'ai pas besoin d'ouvrir son ventre. Je vois son ventre tout en voyant son extérieur. En même temps, donc quand Dieu parle, si Dieu vous a jamais fait une promesse, frère, ne doutez pas de cela. Amen. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Si Dieu a jamais dit une parole dans la Bible, Habakkuk dit, écris-la et attendez-la, car elle s'accomplira certainement.
si elle tarde, attends-la. Attends-la. Dieu ne peut pas faillir. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, comme Abraham, eh bien, on dit du frère, tu as mal compris Dieu. Est-ce que tu as bien compris? Laisse tomber. Dieu sait avec qui il a affaire. Il n'a qu'à tarder s'il veut. Il n'a qu'à retarder s'il veut. Je sais que mon rédempteur est vivant. Même quand ma chair tomberait en pourriture, c'est avec mes propres yeux que je verrai Dieu. Mes yeux le verront et il me sera favorable. Donc tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a dit, par William Marion Branham, il va l'accomplir, c'est un erreur. Car si ce Dieu est venu à donner comme signe le discernement de passer dans le cœur de Sarah, le même Dieu est revenu dans la personne de Jésus-Christ quand il est descendu au baptême de Jean. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir à dévorer. Et alors, quand il voit la femme samaritaine, va, appelle ton mari, je n'ai pas de mari. Ah, tu as dit vrai. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui que tu vois maintenant là n'est pas ton mari. Hé, Seigneur. Alors qu'avant, tout à l'heure, il le prenait pour un dragueur. Quand il disait non, nous, on n'a pas de rapport. Les femmes samaritaines ne vont pas vers les juifs. C'est ça qu'il voulait dire en réalité. Mais quand on lui amène à une autre dimension, hé, alors là, elle sursaute, elle n'est plus sur la même. Seigneur, je vois que tu es ce prophète. Nos pères connaissaient la suite de l'histoire. Donc il est descendu avec Nathanaël que Philippe est allé appeler peut-être, je ne sais pas où, là, à Boaké, je ne sais pas où. Eh bien, il revient et il lui dit que, même que Philippe est appelé quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oh non. Seigneur, tu es. D'ailleurs, avec Pierre, c'était la même chose. Alors, ce Dieu est venu remanifester le même signe. Beaucoup de prophètes ont eu des révélations de choses. Beaucoup de prophètes ont eu des révélations de beaucoup de choses. Comme le prophète Achija, quand la femme de Jéroboam s'est déguisée en paysan pour venir le tromper afin qu'il bénisse leur fils malade, Dieu lui a dit que la femme de Jéroboam arrive, elle s'est déguisée en paysan. Or, le prophète Achija était vieux et aveugle. Mais dès que la femme entre, il lui dit cela. Mais ce n'est pas ça le signe du Messie. Donc Dieu maintenant, je vous le dis frère, et vous le savez, il est descendu dans un corps parole qui n'a pas été engendré par une femme sous les chaînes de Mamré. Il revient maintenant dans un corps virginal, sans péché, dans le but d'une rédemption. On va y réveiller s'il y a encore un peu de temps. Et enfin, à la fin des temps, pour confirmer que la deuxième venue et la première venue étaient bien accomplies. Amen. La première venue dans un corps parole, la deuxième dans un corps d'une naissance virginale. Il revient maintenant dans un corps d'un pécheur sauvé par grâce. Trois fois. Et là, quand il s'installe, il recommence encore le même signe qu'il a fait dans les deux précédents corps. Alors, ça veut donc dire que s'il a dit une chose dans le premier corps, ça s'est accompli. Une chose dans le deuxième corps, ça s'est accompli. S'il y avait une chose aujourd'hui dans le corps, ça s'accomplira. Bien-aimé frère, il me reste 25 minutes. Bien-aimé frère, c'est dire quelle grande grâce nous avons. Alléluia. Quelle grande grâce nous avons d'avoir été longtemps, comme nos enfants ont chanté, longtemps j'ai marché sans savoir où j'allais et rentré du champ palais va entraîner tout cela. Regardez frère, nous sommes donc tous nous tous, tous les humains, dans une situation de déchéance. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'homme Adam, comme j'étais en train de lire, après que cet homme eut péché, il a gâché cette âme.
les ténèbres, l'obscurité y est entrée. Alors Dieu est des... Amen. Donc lorsque l'homme a gâché la communion avec Dieu, parce que Satan avait dit non, Dieu a dit tu mourras certainement, Dieu a dit tu ne mourras pas certainement. C'était la même phrase qu'on a juste ajouté un peu à la parole. Et la femme, vu qu'il avait été bon à manger, donna à son mari qui en mangea aussi. Là, c'est un autre dossier. Parce que l'homme pouvait ne pas manger de ses fils paroles. Mais aimait sa femme, il a préféré de briser la parole pour sauver sa femme. Donc, ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas le thème de ce soir. Même comme c'est un thème adjacent. C'est-à-dire qui est rattaché à celui-là. Et qu'est-ce qui se passe? Et lorsque l'homme mange aussi, il se rend compte qu'il sont nus. Alors qu'ils sont nus depuis la création et ils n'en avaient pas honte. Cette fois-là, Papa Esaïe, que le Seigneur te bénisse. Ton témoignage m'a encore édifié hier. Cette fois-là, il a commencé à faire quelque chose pour, comme l'attrapage, pour se couvrir sa nudité. Et Frère Abraham dit que depuis ce jour-là, l'homme n'a jamais voulu le salut par grâce. Il veut toujours faire quelque chose à son salut. Et c'est pourquoi l'homme ayant perdu la capacité, la grâce, l'aisance de parler et la chose arrive, de dire une chose et elle se fait, par la puissance de Dieu, le glorieux Saint-Esprit était en lui, ayant perdu cela, il commençait à errer. Et alors Satan lui a offert des substituts. Et nous les Africains, nous savons cela très bien avec toutes les sorcelleries, les vaudous, toutes ces choses que le diable offrait à toute la face de la terre. Pour pouvoir, il y a le magicien, le disait de bonne aventure, et le faux prophète, tout cela, juste pour remplacer ce que les hommes ont perdu. Et nous irons chacun dans sa propre voie. Moi, je pense que c'est telle sorcellerie qui est puissante. Tel autre pense que c'est tel fétiche qui est bon. Tel autre pense que c'est... Et chacun errait ainsi. Chacun errait ainsi. Le monde entier était dans la puissance des ténèbres. Je ne peux pas aller très loin. Vous connaissez ce de quoi je parle. Mais, comme Dieu ne pouvait pas permettre que Satan puisse interrompre et détruire définitivement sa créature. Alléluia. Dieu qui savait, parce qu'il est omniscient, que cela arriverait, avait déjà immolé un agneau dès avant la fondation du monde. Et ce jour-là, dans le jardin, dites-moi, où sont venus les peaux dont Dieu a revêtu ces gens? Les peaux ne poussent pas dans les arbres. Les peaux ne poussent pas de terre. Les peaux ne peuvent venir que d'un animal. Où sont venus donc les peaux? Question mark. Je ferme la parenthèse. Je vais continuer à méditer après. Alors frère, et si donc Dieu, dans sa grâce, leur donne les peaux, mais il leur donne également une parole de promesse. Il le dit carrément à celle qui a péché. Mets ta semence. Écrasera la tête du serpent. Et tant que la semence de la femme n'a pas encore écrasé la tête du serpent, ne vous découragez jamais. Mais quand la semence de la femme est venue, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint. Oh, alléluia. Il m'a oint. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, c'est-à-dire une année jubilaire. Pendant toute cette année-là, quiconque entend mon évangile et qui croit en cela, il est libre. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dès que vous entendez la vérité de votre jour, pas du jour d'avant, la vérité vous a franchi. Et le livre de sortie, personne ne peut vous arrêter. Parce qu'il y a des anges
puissant au service de Dieu pour le bénéfice des saints. Amen. Qui vous protège. Quand on dit qui veut venir à l'hôtel, tu es la main, les anges sont là. Aucun démon ne peut traverser. Vous venez jusqu'à ce que vous entriez. Alléluia. Les mêmes anges qui avaient croisé leurs épées de suivre le chemin du paradis afin que l'homme n'y entre pas, de peur qu'il ne mange et vive éternellement dans le péché. Mais les mêmes anges, quand le sacrifice a été immolé, ils ont allumé les épées. Aujourd'hui, chacun de nous a le droit de venir devant le trône de grâce et d'être rempli de Dieu. Être rempli de Dieu, c'est la seule chose qu'il faut. Oh mes bien-aimés frères, j'aurais bien aimé avoir un peu de temps. Mais ce n'est pas grave, c'est pas le problème, ce n'est pas le nombre de paroles. Réellement, parce que quand tu es déjà rempli de Dieu, frère, quand tu es rempli de Dieu, quand tu es rempli du Saint-Esprit, frère, quand tu es pas être un loin du temps de la fin, où tu as l'onction, tu prophétises, tu parles en langue, tu prêches, tu pries pour les malades, Dieu les guérit à cause de cette loi de la parole que tu as attrapée, mais toi-même, tu n'es que ouvert dans ton esprit, mais pas dans ton âme, comme Adam au commencement. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'habite pas dans ton esprit, il est au-dessus seulement. Tu as une onction parce que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes, et le soleil s'élève sur les bons et sur les méchants. Et parce que tu as un ordinateur, toi prédicateur, tu sais trouver les citations, tu peux prêcher et épater les gens. C'est pas ça qui importe. Quelle est la vie que tu vis, que tu mènes après l'avoir rencontré? C'est ça un signe. Parce que l'esprit lui-même va rendre témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Ah oui, monsieur, vous allez faire tous de la même faute. Il va te fouetter. L'autre, il ne le fait pas. Mais pourquoi Dieu ne fait pas l'autre? Dieu fouette ceux qui le connaissent comme fils. Les autres, là. Alors, frère, c'est comme cela que le Seigneur, donc, descend sur la terre. Parce que Dieu l'a dit à la femme, ta postérité. Et Dieu a continué à accomplir cela. Et quand Jésus vient, il commence donc à apprécier son ministère. Et tous ceux qui ont cru, et comme il savait bien qu'il est limité en temps, dans le temps et dans l'espace, il a choisi 12. Il les a loués, il les a appelés apôtres. Que vous continuez mon ministère. Allez partout au monde. Faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, l'Église s'est arrêtée de faire des disciples, s'est arrêtée d'évangéliser. L'Église s'est arrêtée pour construire de belles églises. Moi-même, je suis là-dedans. Hein. Donc, des belles églises, de faire des credos, des organisations et tout le reste. L'Église a construit des murs. L'Église a construit des murs. L'Église a construit des murs. Oh, c'est comme au temps des apôtres. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. C'est ce qui est arrivé. Après, maintenant, au temps de la fin, là. Oh, moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis méthodiste. Moi, je suis adventiste. On a dit que nous, on est épargnés. Mais regardez vous-même. Moi, je suis de frère Franck. Moi, je suis le frère Shekina. Moi, je suis de frère Voice of God. Moi, je suis le frère ceci. Moi, je suis le frère cela. Regardez même dans la ville où vous vivez, ici à Abidjan, à Douala, venez à Douala, c'est grave. Allez à Kinshasa, allez au Brazzaville, c'est grave. Si tu vas persévérer, même un soir là-bas, monsieur, tu fais attention, tu es excommunié. Quel esprit ça? Nous avons fait des murs. Nous avons fait des murs. Nous avons fait des murs. Nous avons fait des murs avec d'autres principes. Si tu ne crois pas comme ça, tu ne fais pas comme notre pasteur fait, eh bien, tu n'es pas dans la vérité. Dieu a parlé à notre pasteur. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai toujours dit à mes frères, soyons humbles, soyons humbles. Car nous savons ce que Dieu fait parmi nous, mais nous ignorons ce qu'il fait ailleurs. Il est le Seigneur de toute la terre. Il gère toutes les âmes. Toutes les pierres, c'est taillé à travers le monde de différentes manières. Et chacun taillait la pierre comme Dieu l'inspirait, comme Salomon a demandé. C'est au rassemblement que chaque pierre, même celle qu'on insultait avant, retrouve sa vraie place. Quand on le connaît, frère, on demeure humble. Je pense que je vais arrêter mon sermon parce qu'il est long. Il est long, frère. Et pour en venir donc à une réalité. Le prophète donc est venu, il a annoncé le message. Tous ici, nous voulons avoir la même effusion, la même puissance. Dans toutes les églises du message dans le monde entier, on veut la même puissance, on veut qu'on parle, les malades s'élèvent, les paralytiques, les aveugles, les morts et tout le reste. Mais tout cela
C'est bien, mais c'est secondaire. C'est secondaire. Quand le prophète, qui était comme la gemme agitée parmi nous, Dieu l'a demandé un jour, il était couché sur son lit. Est-ce que tu aimerais voir de l'autre côté? Il dit, oh oui Seigneur, ça me ferait tellement du bien. Ça te dirait-il, ça m'encouragerait tellement. Oup! Dieu l'a emporté. Et il est parti de l'autre côté. Et là-bas, on l'appelait, oh notre précieux frère, vous connaissez l'histoire. Mais quand il revient, qu'est-ce qu'il nous dit? Mes chers frères, j'étais là-bas. Mais je peux vous dire une chose. Là-bas, seul l'amour parfait entrera. Si vous n'avez pas encore l'amour parfait, laissez tous les programmes, laissez tout ce que vous avez à faire. Or, l'amour parfait, l'amour divin, c'est le Saint-Esprit. Pas une effusion seulement qui a donné le retour des dons, n'est-ce pas, sur les pentecôtistes, mais c'est la personne même venant tabernacler en toi. Car la promesse originelle, c'est que le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez toi, si tu acceptes toute la parole. Aujourd'hui, même dans le message, on n'accepte pas toute la parole. Les uns ont la télé dans leur maison, d'autres n'ont pas la télé. D'autres disent que oh, les hommes font ceci, d'autres font cela. J'ai même un frère qui a dit qu'il n'a jamais vu dans une église de message dans le monde deux églises qui partent pareil, le même ordre dans l'église. Moi-même, j'ai plusieurs églises, mais j'ai deux principales à Kouta et Yaoundé. Elles ne se ressemblent pas. Voyez vos frères. Alors, si vous commencez donc à séparer, oh, c'est nous les vrais fils de Dieu, c'est nous les vrais hommes du message. Les autres ne sont pas les vrais hommes du message. Frère dit ici, il confesse son péché ici, dans un message, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Il dit, oh, il parlait de l'amour divin. Il dit au paragraphe 160, n'est-ce pas, du jubilé, l'année du jubilé, traduction Shekinah. Maintenant, je ne critique pas les gens ouvertement, mais je le fais dans mon cœur. Si je vois une dame descendre la rue, surtout cela, et que je remarque qu'elle n'est pas bien habillée correctement, je dis, n'est-ce pas, c'est affreux dans mon cœur. Je ne le dis à personne d'autre. Après tout, c'est son affaire. Elle a le libre arbitre. Elle n'a pas le droit de le faire. Christ a racheté sa vie, mais elle ne comprend pas peut-être. En fait, la citation est longue. Oh là là, frère, j'ai laissé la citation pour gagner du temps. Mais quand vous avez dans vos cœurs, il dit, des rapines, des mesquineries, des jalousies, des rivalités. Ou par exemple, voici nous sommes des ministres ici, et un pasteur prêche. Quand je vais monter, je vais le damner le pion. C'est quel est Saint-Esprit? Ou bien, 10 pasteurs sont venus et il n'y a que 4 prédications et on ne le choisit pas. Quel est le Saint-Esprit là? Au contraire, un vrai homme qui a le Saint-Esprit, même s'il est le plus grand prédicateur de la terre, et il aimerait s'asseoir au fond, écouter un autre et dire Amen. Saint-Esprit que tu as, ma soeur, quand tu fais la rivalité des jupes et des pantalons et des robes et des coiffures avec ta soeur, tu as quel Saint-Esprit? Quand tu te dis, mes enfants ont eu le diplôme, oh c'est là, on dit, c'est non frère, l'amour parfait, seul l'amour parfait en toi. Donc nous sommes à l'orang du jubilé, ok, tout le monde attend la promesse du troisième poule. Car la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Nous connaissons le principe de l'adoption. Nous connaissons toutes ces choses. Nous savons que nous serons lui. Comme lui. Parce que nous serons transformés de gloire en gloire. Toutes ces choses, nous les connaissons. Frère. Mais quel est le signe qui te rassure? Regarde les sentiments de ton cœur quand un frère te contrarie. Regarde les sentiments de ton cœur quand tu apprends que par derrière on a ricané sur ton nom. Écoute, regarde les sentiments de ton cœur parce que l'amour doit être éprouvé.
Jésus dit, je vous aime, je suis amour, ok, on t'attend au calvaire. On l'a arrêté, on l'a fouetté, on a écorché son dos, on l'a planté les clous. Et il a quand même pu dire, Père, pardonne-le. Si tu as l'esprit de Christ, voilà sera ta réaction. Donc ne te contente pas parce que on a prié pour moi ce soir, j'ai tremblé et j'ai parlé en langue. J'ai vu une vision. Ça ne veut rien dire. Tous les gens de la table de la fin peuvent le faire. Mais est-ce que l'amour divin est en toi? L'amour divin, c'est un peu comme, je ne sais pas que je peux prendre, et que, voilà, voici le monde ici, la vie entre, avec les frères. Et ça, c'est l'amour divin. L'amour divin, le monde bouge. On t'aime pas, on t'insulte, on te bénit. Tout. Il y a toutes choses qui arrivent, mais l'amour divin est constant. L'amour divin ne bouge pas. Il aime. Parce que l'amour divin ne dépend pas de toi. Si j'ai l'amour divin, je ne t'aime pas parce que tu m'aimes. Je ne t'aime pas parce que tu es gentil. Je ne t'aime pas parce que tu as ma famille. Je ne t'aime pas parce que tu es mon copain, mon camarade. Je ne t'aime pas parce que tu me prends dans la voiture quand on vient à l'église. Je t'aime parce que j'ai l'amour divin. Même si tes sentiments changent envers moi, je continue à t'aimer. D'ailleurs, la Bible dit, l'homme a droit à la compassion de ses amis, même quand il abandonnerait la crainte du Seigneur. Donc, même si tu cesses de m'aimer, je continue de t'aimer. Bien sûr, l'amour est correctif. Si tu aimes quelqu'un, tu lui diras la vérité. Mais tu lui diras la vérité toujours avec amour. Parce que tu dis à quelqu'un, frère, t'as fait les erreurs. Oui. Mais si ton frère pêche, va le trouver. Amen. Et si tu t'écoutes, tu auras gagné ton frère. Et ça couvre ses péchés. C'est s'il ne t'écoute pas, prends deux témoins. S'il ne t'écoute pas, parle-en à l'église. Parce que comme c'est ton frère, tu dis bien que c'est ton frère. Et les membres du corps de Christ, si vous le laissez dans cette situation-là, voilà un médecin à côté, sa gangrène va infecter tout le corps. Et frère Branham dit que l'église va être tellement froide. Il parle une image chez les blancs qu'il faudra des marteaux pour casser les glaçons à la porte pour entrer. Tellement elle est devenue froide à cause de qu'il y a un péché d'Acan qu'on a laissé par compromis, par amitié, par Anania et Saphiraïsme. Eh bien, la mort s'installe. Il dit qu'au jour du jugement, tu rendras compte pour avoir vu le péché de ton frère, de membre de l'église, et tu n'as pas dit. L'amour divin n'est pas sentimental. L'amour divin est au-dessus de cela. Et je disais donc que l'amour divin, il est comme Dieu. Quand tu es bon, tu es méchant, il ne dit pas que bon, vraiment le gars a tué beaucoup de gens la nuit, tout l'a mangé beaucoup de gens en sorcellerie. Le jour, quand tu vas lever le soleil, il ne verra pas la lumière aujourd'hui. Non, il envoie le soleil sur tout le monde. Quand le temps de ce Jésus arrive, il envoie la pluie sur tout le monde. Quand tu as l'amour divin, tu n'es pas éprouvé. Tu n'es pas changeant. Tu n'es pas changeant. Parce que tu aimes les gens, non pas parce qu'ils font de bonnes choses, mais par une décision de ton cœur. C'est pourquoi la Bible est, l'amour est un commandement, non pas une suggestion. C'est un commandement. Tu as des frères, comme dans la ville d'Abidjan, la ville de Douala, tu as des frères qui ne t'aiment pas, qui parlent mal de toi, qui disent c'est pourquoi. Ça ne te dit rien. Ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'aller vers eux. À un moment donné, moi-même j'étais tellement frustré, j'entendais les frères, les pasteurs parler mal de moi, et quand on me dit, mais t'es pas, je ne parle pas, pourquoi aller pour être ridicule. Un autre pasteur venant du Congo m'a dit, frère Samuel, il faut partir. Quand Jésus allait chez Simon, il savait bien qu'on l'insulte, qu'on le méprise, qu'on se moque de lui. Il est quand même parti. Et c'est là où la femme doit laver les pieds. Même si on dit n'importe quoi de toi, va quand même. Donc, bien-aimés frères, nous sommes, et c'est là où je vais définir, dans cette réalité, toutes les grandes promesses de Dieu, elles ne pourront pas rester non accompli. Si ça reste pour faire quoi? Nous sommes déjà à la fin des temps. Dieu doit balancer dans son église tout le reste des bénédictions qu'il y avait encore dans les étagères. Il doit les balancer dans l'église. Mais comment ton père
Il y a des mamans ici. Une maman qui va au marché, elle achète des beignets, des gâteaux. Et ils viennent à la maison, ils trouvent l'enfant avec les mains sales. Parce que l'enfant dit, maman, 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 je veux manger. Est-ce que tu vas, maman? Est-ce qu'il y a des mamans ici qui lèvent la main? Les mamans lèvent la main. Ok, est-ce que tu vas donner ton le beignet? Parce que je ne sais pas comment ça le beignet ici chez nous, mais il y a des beignets chez nous avec le sucre dessus. Tu peux donner un enfant et quand il tend la main, tu vois les mains sales. Tu ne donneras pas le beignet si tu aimes ton enfant. Tu vas lui dire, va d'abord laver tes mains. Et si le même trop, ça dit, va d'abord te laver. S'il régime, tu le fouettes. Dieu ne peut pas être moins bon qu'une mère. Si une mère oublie de le faire, Dieu lui n'oubliera pas de le faire. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes. Je vais m'arrêter parce que mon temps est fini. Nous sommes dans le principe jubilaire. C'est le retour à notre héritage. C'est le retour à ce que nous avions perdu. C'est pourquoi quand Jésus est venu et il a prêché le jubilé, et ce jubilé dure jusqu'à ce jour, pour quiconque peut le recevoir, afin de rentrer dans son héritage, qui est le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que l'apôtre Paul enseigne, c'est ce que Jésus lui m'a annoncé, que le même Saint-Esprit qui était entré dans Adam lorsqu'il donnait le nom à toutes les créatures, et que Dieu est venu à la fin des temps manifestant sa plénitude avec William Branham, car le retour, comme le pasteur nous l'a montré ici dans l'affiche, ce que la sauterelle, le yélec, l'oasis, le gaza m'ont dévoré, je restaurerai. Et quand il restaure les quatre destructeurs, il restaure par la justification, la sanctification, le retour du baptême du Saint-Esprit et le retour de la parole. Or, nous voulons tous avoir la parole créatrice. Mais si vous et moi, voilà mon ami et mon frère, voilà mes jeunes frères ici, qui sont des pasteurs. Je ne sais pas quel âge vous avez un frère, mais j'ai 61 ans. Voilà mon père, là je le connais celui-là. Mais, et que Dieu me donne maintenant là où je suis, avec le cœur que j'ai là, la parole créatrice. Si tu m'énerves vraiment, que je vais faire de toi? Si tu m'arraches ma femme et que je la prenne, je fais quoi de toi? Comprenons que commençons par le commencement. Et la prière pour la délivrance, que tous les démons, les vieux, les tards qui t'ont assujetti pendant toutes les 50 années, on a connu ce que c'est que le message. On est entré dans des divisions et dans des dons. Et on a même recruté jusqu'à faire mettre même jusque derrière la chair des incirconcis parce qu'on veut du monde. On a appris les gens, on ne connaît même pas leur témoignage. Il y a des gens qui viennent de quelque part, ils disent, moi, nous, on s'est venu au Cameroun. Il y a un monsieur qui est venu du Libéria, un bandit, un escroc. Il vient là-bas, il avait fréquenté quelques églises en Afrique de l'Ouest. Et puis, alors, il a pu parler des enseignements. Quand il vient chez nous, il chante un chant qu'on connaît. Tout le monde chante. Et il dit, on a même mis derrière la chair. Il nous a raflé l'argent. Il a civilisé les filles dans l'église. Il dit que je m'en vais aux États-Unis, je reviens. Les gens nous donnent plein d'argent. Il est parti. Puis, jamais vu. Parce qu'on ne discernait pas. C'est le même péché et la même faute que Josué avait commise en faisant alliance avec les Babylonites sans discernement. Alors que Josué était souvent conduit par le Saint-Esprit. Donc il faut faire attention. On a fait donc, il y a beaucoup de gens qui viennent, ils sont dans l'église. Bon, moi le pasteur, je me contente de leur dire, de leurs offrandes. Monsieur l'administrateur, le trésorier, on a combien c'était dimanche? Oh, on a 2 millions. Ah, ça c'est bon. Alors, je dis les choses que les gens aiment entendre. Dieu vous donnera la richesse, les enfants, le travail, le mariage, et ceci. Est-ce que c'est pour ça que Dieu vous a appelé? Comme Adam dit, quand ils sont sortis dans le désert, quand ils sont sortis de l'Égypte, dans le désert, ils se mariaient, ils avaient des enfants, mais Dieu ne les a pas appelés à voir ça dans le désert. Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour qu'ils traversent et aillent à la terre promise. C'est là. Alors, si je conclue donc en disant que seul l'amour parfait entrera, que pouvons-nous demander à Dieu ce soir? Chacun connaît l'état de son cœur, l'état de ses sentiments. Les épreuves ne sont pas les mêmes. Les tests ne sont pas les mêmes. Nous ne trébuchons pas tous sur les mêmes choses.
Mais chacun connaît son cœur. L'amour divin envers Dieu et sa parole, envers ton prochain et envers toi-même d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est pourquoi ils ne peuvent même pas vous aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ça, c'est le coup. Mais quand tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, comment tu donc pourras au premier commandement? Comment tu pourras arriver au deuxième commandement royal d'aimer ton prochain comme Dieu lui t'a aimé? Donc aimer mon prochain comme toi-même, c'est le B à bas. Mais aimer mon prochain comme Dieu m'a aimé, ça c'est la croix et la bannière pour les hommes aujourd'hui, pour les chrétiens. Surtout quand il faut aimer son propre frère, son frère dans l'église, son cousin, son oncle qui t'a fait du tort. Non, tout le monde peut me faire ça, mais pas lui. Ça, je ne le salue plus. Ça, non. Aime-le comme Dieu t'a aimé. C'est la raison pour laquelle Pierre était fatigué des tacles de André, de Pierre, de Jacques et de Jean. Il dit, Seigneur, dis-moi, est-ce que je dois pardonner à mon frère jusqu'à 7 fois par jour? Jésus lui dit, je n'ai pas dit, non, pas 7 fois, Pierre. Il croyait que Jésus va dire 2 fois ou 3 fois. Mais je te dis 7 fois, 70 fois par jour. Qui entre vous et moi peut le faire? C'est un salut par grâce. Et c'est vrai que si nous laissons Dieu entrer dans notre cœur, lui pourra le faire. Je termine par une histoire. Un frère, ça c'était en Europe, il vivait dans une belle église comme la vôtre, une église harmonieuse. Et c'était un frère qui était parmi les anciens, il était connu, et deux anciens, et ils se fréquentaient. Et l'un est tombé dans le péché avec la femme de l'autre, et ça s'est su. Malgré les confessions, le frère qui était cocu ne pouvait pas pardonner à son frère. Le pasteur a tout fait pour réconcilier, zéro. L'autre frère a demandé pardon. Pardon, je t'ai pardonné, mais je ne veux pas te voir. Toute l'église a prié, rien. Et ce frère qui était un prédicateur, qui était un ancien, et qui avait de l'amertume, il n'a pas péché. On a péché contre lui. On a péché contre lui. Dites amen. Amen. Oh là 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 là, pasteur, une minute. Ça me rappelle l'histoire de Job. Job a tous les problèmes que vous connaissez. Job était élevé. Il a eu tous les problèmes que vous connaissez. Tous les problèmes que vous connaissez. Et pendant tout ce temps, ses amis disent, tu es un pécheur en secret. Tu es un voleur. La preuve, Dieu t'a dévoilé maintenant. Tu payes maintenant pour tes fautes. Tu voilà, tu prenais les filles de Troui, tu prenais les femmes de Troui, tu arrachais les gens des gens, tu faisais ceci, tu nous mentais derrière la chair tout le temps, voilà maintenant ta vie. Ils ont tellement humilié Job. Job s'est décidé de défendre, vous êtes des conflateurs fâcheux, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais les faits sont là. Job a dit, si j'ai fait tout ce qu'on me dit là, que ma voix se détache de mon épaule, que... Dieu était assez calme. Jusqu'à la fin du temps marqué. Alors, Dieu descend et dit à Job, qui est donc celui-là qui obscurcit mes desseins par des discours insensés? Et Job lui répond de quoi? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mais vous savez quoi? Malgré que Dieu a parlé à Job, je comprends maintenant, Dieu n'a pas restauré Job dans son état initial. Pourquoi? Job avait encore de l'amertume dans son cœur. Mais la Bible dit dans Job, le dernier chapitre, verset 42 ou 42, 10, c'est quand Job a donc intercédé, prié pour ses amis qui se moquaient de lui. C'est alors que Dieu a restauré Job. Donc vous ne pouvez pas vous attendre que Dieu vous bénisse, vous restaure, s'il n'y a pas encore le pardon et l'amour parfait dans vos cœurs. C'est pourquoi, frère, je disais, quand ce frère a tellement bagarré avec le Saint-Esprit, quand chaque fois qu'il veut prier, comme s'il veut ignorer ce que Dieu attend de lui, il sait bien que Dieu veut qu'il pardonne ce frère. Mais quand il y pense, quand il pense à chérie,
comment ils sont dans l'intimité et que l'autre a osé faire ça dans ma femme. Non. Il ne pouvait pas supporter. Nous sommes des hommes, on se comprend. Mais le frère aimait aussi Dieu. Et son cœur languissait. Son cœur se mourait. Comme dans le psaume 137. Oh, sur les bords des fleuves de l'Euphrate, on me dit de chanter des chants de Sion. Comment chanteront-nous les chants de Sion dans une terre étrangère? Ce frère était malheureux. Et fatigué. Et tout le monde se rendait compte. Il dépérissait, même dans sa chair physique. Un jour, à une réunion, le pasteur prêchait comme je suis en train de prêcher ce soir. Il est dans la salle comme quelques-uns d'entre vous ce soir-là. Ils sont assis dans la salle. Et il n'avait pas de, il avait des rancœurs contre une sœur. S'il vient entrer à l'église, il voit la sœur assise là, il voit l'autre ranger. S'il voit le frère assis ici, il voit l'autre ranger. Heureusement que le diable n'impose pas les places. Alors, il était fatigué. Fatigué dans son cœur. Il a dit, Seigneur, tu veux que je le pardonne, que je l'aime. Sincèrement, je crois qu'il est pour qui. Tu connais mon cœur. Je ne peux pas. Mais si tu veux, comme tu es Dieu, toi, entre dans mon cœur et aime-le. Ce frère, il l'a dit dans sa prière. C'est un dimanche authentique, frère. Il l'a dit, c'est en France, il l'a dit dans sa prière, avant la fin du sermon, pendant qu'on priait, le frère, l'esprit est tombé sur lui. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Parce que quand Dieu te montre, comme à William Branham, n'est-ce pas, ta propre vie, toi qui condamne l'autre, il s'est mis à pleurer. Et à la fin de l'église, c'est lui-même qui prend ses deux pieds, il traverse les rangées, il va, il embrasse ce frère. Il s'est mis à pleurer sur son épaule. L'autre frère aussi qui est surpris par cette situation inespérée, lui aussi se met à pleurer. Le pasteur qui devrait la chair qui voit ça se met à pleurer. L'église qui voit cette réconciliation se met à pleurer. Parce que le Saint-Esprit est descendu et il a apporté la réconciliation. Il a pleuré pour que la vie fraternelle, il a apporté la vie divine. Et alors, un nouveau réveil est parti dans l'église. Que Dieu vous bénisse, frère. Alléluia. Voulez-vous le parfait réveil? Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Mais il a monté une condition. Si tu as quelque chose contre ton frère, pardonne. C'est vrai que nous voulons faire de grandes choses et voir des miracles. Mais il y a une condition que pose le Seigneur. Il est dit dans Lévitique 25, le verset 13, « Dans cette année du jubilé, chacun retournera à sa propriété. » Le seul héritage qui nous laisse est cela. Voici le commandement que je vous donne. Quoi? Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Deux fois, c'est ça. Deux fois. On contourne la chose, mais il y a ça. Et on oublie ça, ce qui est essentiel. Et on parcourt beaucoup de kilomètres. Et la chose demeure. Alléluia. Un authentique remplissage du Saint-Esprit veut que nous libérions nos cœurs, que nous retournions à notre propriété. Alléluia. L'amour divin. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le désirez? C'est le temps maintenant de libérer ton cœur. Et si ici même il y a quelque chose qui est un handicap entre toi et ton frère, fais la paix avec lui. Fais la paix avec celui-même, peut-être qui est au village, et qui n'est pas ici. Venez libérer votre cœur et
vous serez remplis de cette guérison divine dans le nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix et bénissons son nom. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Cela dépend de ta volonté. Veux-tu te libérer, quitter cette servitude, quitter ce patron qui t'a toujours asservi à respecter et à faire ses œuvres futiles, ses œuvres servitude. Maintenant, tu es libéré, a dit le Seigneur. Lève-toi, marche pour moi. Lève-toi, parle pour moi. Lève-toi, agis pour moi. Lève-toi, aime. Toujours aime. Donne ton amour, salut. Et ton bras à droite, à gauche. Sois un rassembleur. Alléluia. Amen. Sois un rassembleur. Sois le réparateur de brèches. Alléluia. Partout où tu seras. Car tu es une bonne semence du royaume. Alléluia. Est-ce que tu le veux là-bas, mon frère, tout te fond. Amen. Oui, ma soeur, tout te fond. Alléluia. Jésus-Christ te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Oh, cette tâche veux-tu l'accomplir jour après jour sans relâche, sans jamais faiblir. Alléluia. Même on te critique, bien sûr. On te maltraite. On parle mal de toi. Mais tu sais. Alléluia. Le but atteint. Avance. Avance. Pardonne. Sois un rassembleur. Donne la satiété, la satisfaction au Saint-Esprit. Abreuve le Saint-Esprit. Donc qu'il soit content de toi. Et alors tu verras en retour toutes ces grâces et ces riches bénédictions pour une vie de plénitude. Alléluia. Amen. Amen. Voulez-vous chanter cela de tout votre cœur? Jésus te confie. Oh,
Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, oh Dieu, par ta grâce souveraine, de ce que Père éternel des armées, oh Dieu parlant, oh Dieu à ton serviteur, oui Seigneur, de façon distincte, nous avons été interpellés Seigneur. Oh Dieu, ce soir, fais grâce. Et lorsque Père éternel des armées, oh chaque pensée, oh chaque cœur, chaque parole, oh Dieu, chaque action posée qui ne peut glorifier ton nom Seigneur. Oh, laisse que Père éternel, cela rencontre le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Et que Père éternel des armées, oh Dieu, nos vies soient épurées, nettoyées, Seigneur. Et que encore ce soir, le sang
nous inscrit dans ton programme divin. Bénis-le, Seigneur. Remplis-le le mental de ton esprit. Ton honneur et la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.